Salut à tous, j'espère que vous avez la patate, c'est Jaya. Aujourd'hui, épisode 9 de notre Let's Play sur GTA V. J'ai eu 2-3 petits soucis, je tenais à faire une petite parenthèse avant de commencer, c'est que j'ai enregistré 2 heures de gameplay pour rien. Donc je me suis dit, je pouvais pas rester comme ça, ce serait dommage pour la suite de l'aventure, je vais recommencer l'émission. J'en avais fait un petit peu beaucoup quand même. J'ai perdu beaucoup de temps, mais je lâche pas l'affaire. Nous sommes avec Trevor. Trevor a des sérieux problèmes. Go. Ashhill Billy Wallace. You're damn right. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. Là là là. Right in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Bon, je crois qu'il est pas content du tout. Faut que j'aille à la ferme des frères O'Neill. Mais qu'allons-nous faire là-bas? Bon, allô ma caisse. Bon. Oh, il est vraiment énervé très fort. Je crois que là, sur ce coup-là, le coup du chinois, ça va pas passer. On va emprunter cette voiture, parce que franchement, elle le fait bien. Hein, on est d'accord. Allez, démarre. Musique. Petite musique un peu swaggy. Une musique qui nous vient du fond du cœur. Mais je crois qu'il l'aime pas. Hein. Voilà, il a changé tout seul, comme un grand. J'ai lu les derniers commentaires, les gars, de la dernière vidéo au sujet de la censure de certaines scènes. On va être clair entre nous. On va se dire les choses. On n'est pas là pour faire les beaux. Ça en énerve certains, je suis d'accord. Tous ceux qui m'ont dit pourquoi t'as supprimé telle scène, c'est que vous la connaissiez. Donc je pense et j'estime qu'il n'y avait pas lieu de la remettre. J'ai des enfants. Et des scènes comme ça, c'est un jeu interdit au moins de 18 ans, faut s'y faire. Si vous êtes moins âgé et que vous l'avez, vous n'avez qu'à en prendre qu'à vos parents. Voilà. Donc moi, quand j'estimerai que certaines scènes sont vraiment abusées, eh bien, je les coupe. Et il y a d'autres vidéos sur tout le web qui vous montreront des choses trash, gore et pas forcément utiles pour votre bien-être et la croissance de votre cerveau. Parce que là, tu te prends pour un grand bonhomme avec trop au cul. Mais il y a un moment, faut te remettre à ta place. C'est pas pour autant qu'on va pas prendre du fun sur ce Let's Play. Alors on va se décontracter la nouille et on va être plus raisonnable. Faut dire que YouTube... Le public est très réparti, il y a tous les âges, donc il faut prendre en compte tous les âges. C'était la parenthèse, mais je t'aime. Action. Qu'est-ce que j'avais fait déjà? J'ai déjà fait l'émission et pour vous dire, je me rappelle même pas. Enfin, je me rappelle 2-3 scènes. Je sais même plus moi déjà ce qu'il faut faire. Ah putain, si, je me rappelle, j'ai plus de balles.
Voilà, j'ai plus de snipe. J'aurais dû faire les achats avant. Attendez, une seconde. Il faut impérativement que j'aille faire 2-3 courses. C'est pas possible autrement. Je vous dis à tout de suite, parce que là, ça va être long. Même si certains veulent voir le trajet, voilà, je vais pas tous les mettre. À tout de suite. Je vais faire le plein de snipe. J'arrive. Nous y voilà. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. C'est parti. Alors je sais que déjà, il faut se la faire subtile. C'est-à-dire, tu te fais le premier en pleine tête. Le deuxième, la même. Là-haut, t'as des gardes. Double headshot. Voilà, t'es fait les deux. Lui, tu l'enchaînes, tranquillou. Ceux du bas, une double. Voilà. Lui, un témoin. Le petit copain. Lui, tu l'exécutes. Tout dans la douceur. Excusez-moi, il y a eu un petit zap parce qu'il y a eu l'intervention de madame. Elle est passée, ça m'a complètement perturbé. On reprend la mission, chaud patate. Et puis si t'as l'impression que je chuchote un peu, c'est normal. Il est tard, les enfants dorment. Et comme je veux à tout prix te faire cet épisode, je le fais. Parce que vraiment, j'ai bonne conscience. Dans ta tête, un de moins. Allez, on y va. Toujours dans la subtilité. Les traillettes. On va se la faire un peu moins subtile. Vas-y, appuie sur le truc pour... Non. Voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher la démarche subtile. Ça fait bizarre de recommencer l'émission. On va aller faire. Après, voilà, on découvrira ensemble. Mais là, pour l'instant, pas bien le choix. Donc, je crois que j'ai fait l'essentiel. Et l'essentiel est dans l'actel. Ça... L'enculé. Qu'est-ce qu'ils me font? Dans la série, je me gourde touche en permanence. Oui, mon... Hop là. Hop là. De ta mère. Tiens. Attends. Voilà, récupère ton truc. Je m'embrouille dans les touches, c'est quelque chose, hein. Vas-y, dégage. Où qui sont? La dernière fois, j'étais rentré quand même plus dans la maison. J'ai pas eu le temps. Là. Voilà, ton copain, le chauve. T'as qu'à se mettre des cheveux. Hop là, recharge, vite, cache-toi. Cache-toi. On se concentre, je te la ferme une fois celle-là. Et là, ta fiole. Montre-moi ton nez. Oh, vous montrez votre nez ou pas? Tiens, ça me fait plaisir. Et comme un problème n'arrive jamais seul, et bah figurez-vous que j'avais plus de place dans le caméscope. Mon caméscope s'est éteint, c'est la fête, c'est la période. Je te dis, il faut avoir les reins solides. Vraiment, faut être accroché à ton string. Oh, on continue. Faut que j'en étais où, moi? Il se cache. Hop, il est caché. On y va. Il n'y a personne. On y va. C'est parti. Alors, en fait, c'est bon, je me suis fait tout le monde. C'est ça? Là, il n'y a personne. Attends, faut que je trouve le... Il y a une pièce, normalement, par là.
Bloquez-le en haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du monde. Voilà. Lui, je le tue parce que je sais très bien qu'il allait me tirer dessus, en fait. Donc, on va prendre le bidon d'essence. Et ben, et on verse avec R2. Voilà. Joyeux anniversaire. On va lui souffler ses bougies. Joyeux anniversaire. Ça me fait plaisir. On va lui refaire la déco de son vieux taudis. Moi, j'aime bien rafraîchir les maisons. Je suis un peu la Valérie d'Amido. Des grands F Toto. En moins grosse. Non, j'ai rien contre elle. Même si j'aime pas ce qu'elle fait. Respect. J'ai envie de dire ça. Donc, tu répands délicatement de l'essence de partout. Voilà, on est bien arrivé. On lâche le truc. On prend le pistolet. On vise la traînée d'essence. Hop, et on lance les hostilités. C'est beau. C'est très beau. Yes. Avec le petit ralenti, tu vois, à la, tu vois, je suis un killer, quoi. Très fort, mon pote. Bon, on se casse. Et normalement, la mission est validée. On s'est bien vengé, nous sommes d'accord. Par contre, j'aime pas ces quads, ils bougent trop, ceux-là. Et tout va bien. On va enchaîner sur les prochaines missions. Petit dérapage incontrôlé. Et normalement... Non, on peut pas du... Non, on peut pas. Je voulais faire du deux roues arrière. Je sais pas si ça se dit. Voilà, réussi. J'avais fait un meilleur score la dernière fois. Indemne d'une pierre de coup. Précision. PGM. Bon, j'avais fait 9 tirs l'autre coup. Comme je recommence les missions, eh ben, il n'y a pas de suite. On refait simplement la mission. Donc, je vous dis à tout de suite. Deuxième mission. Des amis réunis pour la vie. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor! Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money! And tidy my shit up! Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? Mais c'est, franchement, les dialogues, ils sont épiques quand même. On va s'arrêter pour le goûter. L'autre est en train de lui dire gentiment, tu vas me faire une gâterie. Et l'autre, elle a un petit enfant, il veut goûter. Normal. Bon. Pas que à Mobilhome. Bien évidemment, je sais ce qu'il faut faire, mais je vais faire style, je sais pas faire. On va poser 2-3 bombes par-ci par-là. Et on va bientôt retrouver Michael aussi. Ça, tu es sûrement au courant, parce que t'as sûrement fini le jeu déjà. Et moi, ne jouant que pour le let's play, je peux te dire qu'en fait, ben, j'avance tout doucement. Pourtant, ça me démange hein, d'enchaîner. Je peux te dire, c'est un véritable sacrifice. Ouh, l'orage est super bien fait.
C'est simplement magnifique. Regarde ça, ces éclairs. On s'y croirait. On est bientôt arrivé. Petit dérapage incontrôlé. Petit virage sur la gauche. Mission. The assholes here, they slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost, you are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. I got you them bombs and that pistol with the thing that makes première fois. Attends, il m'a saoulé. La première fois que j'ai fait cette mission, j'ai pris la voiture, j'ai foncé droit dans le tas. Je me suis fait canarder en 2 secondes. C'est là où tu vois la différence avec le live et le déjà fait. Ah, j'ai plus de mini. Ah, mais oui, il faut à chaque fois que j'en rachète. Putain. Bon. On va y aller dans la discrétion, qu'est-ce que je te dis. Allez, c'est parti. Marche doucement. On va aller poser 2-3 bombes. Faut juste pas se faire voir. Donc la première caravane. Elle est là. Oui, je sais. Vas-y, doucement. Vas-y, passe par là, mon pote. Bombe collante. Allez. C'est vrai que la première fois qu'on met un con... attends, vas-y. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais non... Pose-la, là. Ah, il a pris en compte, ok. La première fois, je me suis fait d'abord chier à tuer tout le monde. Bon, ce qui était pas mal aussi comme technique, hein, tu vas me dire. Et j'avoue que j'ai un peu galéré. Doucement. Mais du coup, par contre... Ah non, en fait, ouais, je devrais les tuer, en fait. À moins que j'aille dans la discrétion. Voilà. Marche doucement. Marche doucement, mais vite. Voilà, tout doux. Pose ta bombe. Voilà. On y va. Oh oh. Oh oh. Ils vont où? Faut pas que je me fasse attraper. Objectif, poser les bombes sans se faire rodave. Allez, go. 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 C'est pas la bonne caravane, sinon ça serait pas rigolo. C'est pas la bonne caravane, t'y crois toi? Voilà. Faut que je me cache. Faut que je me cache. Voilà, 2 bombes, normal. Il n'y a personne. Allez, on y va. Allez, doucement. J'ai dit doucement. C'est pas con de le faire là. Doucement. Dans la discrétion. Et là, c'est pas la bonne caravane. Alors, on va faire comme ça. Et on va marcher vite. Voilà. Et là, ça passe. Je chuchote. Et je crois bien que ma femme attend de pouvoir sortir de la salle de bain. Tu peux passer, hein. On va d'abord se faire lui tranquillou. Merde, j'ai tiré. J'ai tiré comme un con. Vas-y, pose-la là. Ah, j'ai tiré. Non, j'aurais pas dû. Ah, c'est bon, là, je suis mort. Ah, je suis con, putain, j'étais presque. Elle est où cette caravane? Elle est où cette dernière caravane? Cours, 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 Forest. Elle est où? Je la vois.
Allez, pose. Allez, cours. Voilà. Bon, c'est toujours ça, tu vas me dire, hein. Par contre, maintenant, je vais avoir tout le monde au cul. Ouais, c'est ce que je pensais. Allez, vite, 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 vite. Quoi qu'on se la fait à la traître, c'est pas mal. Voilà. En fait, ils s'enfuient, les gars. Normal. Bon. Mission réussie à 100%. Je suis bien content. Petit virage. On se retrouve au point. This is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Maintenant, on va se rendre chez le cousin. Los Santos, the city of shithead. Et on va lui prendre son appartement, tout simplement. Parce que là, le cousin, quelque part, il a un appartement sublime, avec vue sur Wall Street. Ce soir, les amis, c'est la soirée des bugs, un truc de dingue. Depuis tout à l'heure, je croyais... Attends, allez, superbe, voilà, comme ça, t'as plus de phare, tu fais plus chier personne. Allez, dégage, merci. Depuis tout à l'heure, ça c'est fort. Depuis tout à l'heure, je pensais que madame était dans la salle de bain, je vous raconte ma life, hein, et qu'elle attendait le bon moment pour sortir pour me laisser tranquille. En fait, elle est tout simplement pas dans la salle de bain. J'ai bugué, y'a personne, je suis tout seul. Superbe, petit tour de pâté de maison. De toute façon, la première fois, j'ai fait la même chose. Je me suis perdu. En plus, je crois qu'il faut que je me gare. Faut pas chercher un point jaune, faut que je sorte de la voiture. C'est ça le truc. Voilà, c'est là. Hop, on sort de la caisse. Et on va aller chercher le cousin. Et la mission est finie. Cousin Floyd! Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you wait! I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if you don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Voilà, mission réussie. On va aller directement à la troisième parce que là, il va me renvoyer où j'en suis actuellement. Hein, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Alors, on recommence la troisième mission. À toutes.